Ce soir à 21h au Vélodrome, pas de foot mais du rugby. Le 15 de France affronte l'Afrique du Sud pour son deuxième test match automnal de l'année. Et malgré une série noire de 7 défaites tricolores face aux Springboks depuis 2010, les supporters y croient plus que jamais. Aux armes, citoyens. Je pense qu'on peut faire la différence ce soir vu l'équipe qu'on a depuis un moment. Bah c'est Dupont, ouais. Dupont là, il va tous les exploser. C'est le truc en plus de l'équipe, avec l'Argaltier surtout. Bentamac et d'autres quoi. Mais il y a une grosse troisième ligne. Moi je pense que c'est les Africains qui vont avoir du souci un peu. On va tout casser. C'est obligé, on gagne ce soir. C'est la guerre. Reste à savoir si les Bleus enregistreront leur 11e victoire sur 13 dans le stade marseillais qui semble leur porter bonheur. En rugby, c'est vraiment le stade qui porte bonheur. C'est pas un stade qui porte bonheur, c'est le stade de l'équipe de France. Il faut arrêter de jouer à Saint-Denis chez les Parisiens. Il faut venir en province. Chauffé à blanc comme il va l'être ce soir, ça peut être effectivement le 16e moment. Le stade, il va apporter chance, mais après, on est sur une dynamique. Je pense que là, c'est l'autoroute vers la Coupe du Monde et on va gagner la Coupe du Monde l'année prochaine. Une chose, s'il vous plaît. Eh, ça sera serré. Un 25-20. 28 à 20. Pour la France. Possible. Pour bien la France. Sûr, pour la France. 30 à 12. 25, 9. 3 essais de la France et un essai de l'Afrique du Sud. Bravo, Lucio.